Bonjour à tous et bienvenue dans l'introduction de la toute nouvelle série de vidéos faites sur la chaîne Pierre Movie qui va donc concerner la programmation. Donc cette série de vidéos n'aura donc aucun rapport avec les vidéos faites sur Blender ni sur les cours en HTML JavaScript, mais ce sera donc pour traiter de programmation et je l'avais annoncé dans une précédente vidéo. Donc on va pas faire de cours de programmation. Je vais pas vous apprendre à programmer. Enfin si, mais pas d'une façon de la façon dont on le verrait dans un cours. Donc en fait, on va faire des TP, donc des travaux pratiques. Il y a énormément de cours sur Internet qui permettent d'apprendre à programmer, qui sont plus ou moins bien et qui peuvent plus ou moins nous intéresser, que ce soit pour la programmation en amateur ou à un but plus professionnel. Mais il y a souvent peu de TP. Et ou peu d'exercices proposés, ou alors quand il y en a, malheureusement on a soit une correction qui est trop complexe, hein, qui est donc la correction la plus optimisée possible mais qui est incompréhensible, soit on n'a pas de correction parfois tout simplement, et parce qu'on la trouve pas, voilà. Donc pour essayer de combler ce manque, je voudrais essayer de proposer une série de vidéos en rapport avec ce domaine, hein, donc en classant par niveau les TP qui pourront être faits dans l'ordre que vous souhaitez. Donc on va jeter un coup d'œil aux prérequis, hein, donc voilà, donc quelques prérequis, hein, rien de bien compliqué. Alors donc afin de suivre la série de vidéos programmation TP, donc voilà, donc il vous faudra évidemment connaître un langage de programmation. Et là, ça peut être n'importe quel langage de programmation, que ce soit vous programmiez en JavaScript, en C++, en n'importe quoi. Puisque de toute façon, en général, j'essaierai de m'arranger pour que la correction soit portée facilement sur n'importe quel autre langage, en n'utilisant pas trop de spécificité au langage. Et si c'est le cas, je le signalerai, et donc j'essaierai quand même de donner des pistes pour d'autres langages. Évidemment, je connais pas tous les langages de programmation, donc je peux pas vous proposer une correction dans tous les langages. Mais en général, ce sera le plus facilement portable possible. Alors voilà, donc on va donc connaissance des langages de programmation. Donc voilà, donc si vous suivez les vidéos série débutant, juste connaître les variables, les conditions, les fonctions, les structures, enfin pas les structures, mais enfin tout ce qui est, voilà, les trucs de base qu'on apprend en premier, voilà. Moyen, donc pour la série intermédiaire, donc on essaye de connaître les tableaux, les structures, les pointeurs, éventuellement d'autres choses. Et donc ensuite, si vous voulez vous attaquer à la série expert, on fera de la programmation avec objet, on utilisera les algorithmes de la STL, et c'est tout. Alors on fera parfois, dans certains TP, on utilisera un peu le framework Qt pour faire une interface graphique, hein, dans le cas de, on verra que certains exercices nécessite une gestion de données importante donc il sera beaucoup plus facile de faire ça via une interface graphique pour l'utilisateur, hein, pour celui qui teste le programme, que via une console. Donc on utilisera parfois connaissance à un minimum du framework Qt. Et donc ça, je vais donner un peu le niveau, mais bon, c'est pas vraiment, enfin, c'est un peu indicatif, hein, donc évidemment minimum donc certaines vidéos nécessiteront un niveau 4e pour la série débutant, enfin en maths, hein, mais bon, ce sera pas bien compliqué, donc même si vous êtes dans un niveau en dessous, vous pouvez vous en sortir sans problème. Et moi j'ai un crayon qui n'arrête pas de tomber là. Après niveau pour la série intermédiaire, 6e, 3e, hein, je pense que de toute façon ce sera surtout l'algorithmie, donc ça n'importe qui peut plus ou moins comprendre, hein. Et par contre, niveau seconde terminale, je voudrais faire certaines vidéos sur des choses qu'on voit en cursus scientifique. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'essaierai d'expliquer vite, avant le TP, les notions. Mais bon, c'est mieux si vous avez suivi le cursus scientifique, en sachant que ce ne sera pas toutes les vidéos de la série expert qui seront ça. Mais à niveau seconde, c'est quand même mieux, pour au moins comprendre certaines choses. Par exemple, on s'amusera à faire à voir comment on peut résoudre une équation du second degré avec un programme informatique. Alors, et je donnerai les corrections soit en C, soit en C++, soit en Python. Ça dépendra de l'exercice.
Parfois, je donnerai en deux langages, hein, si je vois, si je donne en C++ et Python, et ou c'est Python, et parce que bah, si c'est vraiment, c'est plus facile de porter de passer de Python à, plutôt c'est plus facile de passer à C, puis de ramener à C++, et c'est plus facile de passer à Python, je sais pas, en fait non, c'est plus facile de passer du C au Perl que du Python au Perl, encore que ça dépend, donc bon. Par contre, c'est plus facile de passer du Python au JavaScript que du C++, du C au JavaScript. Enfin, je pense, parce que j'ai jamais fait vraiment assez fait de JavaScript. Mais bon, JavaScript, hein, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas le langage idéal pour ce genre de enfin, bon, faut l'utiliser. Donc, bah, évidemment, de quoi développer, hein, mais ça, si vous savez programmer, c'est même pas un problème. J'utiliserai pas d'IDE, tout simplement parce que. Bah, déjà, ce sera pas utile, ce sera des programmes assez courts, donc on n'a pas vraiment besoin d'un IDE. Et puis, bon, bah, même si un IDE c'est intéressant à utiliser dans un contexte où on veut vraiment faire un gros projet avec productif, il faut toujours savoir faire sans IDE, je pense, parce que bon, c'est plus pratique, hein, d'ailleurs, de faire sans IDE parfois pour des petits programmes. Bon, moi j'utilise parfois l'IDE Qt Creator là. Pour la création d'applications catastrophiques, mais autrement j'en utilise pas vraiment. Et donc j'utilise un éditeur de texte Emacs et j'utilise le compilateur GCC dans sa dernière version. Et donc je ferai des tutoriels sur une distribution Linux, hein, donc Debian. Mais j'utiliserai pas d'algorithme. Pas de fonction propre à Linux, donc vous pouvez porter facilement sur Windows. Normalement, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et donc, de quoi développer. Donc voilà, donc cette série ne sera donc pas un cours. Voilà, donc là, je vous ai présenté comment ça se passera. Donc, voilà, maintenant, je vais essayer de vous faire une sorte de simulation, de vous montrer comment se passera chaque vidéo, afin que vous soyez prévenus. Donc, bon, en général, je commencerai par vous poser le problème. Je vais créer un nouveau fichier. Voilà, donc pour aujourd'hui, hein, ce problème. Alors, bon, bah, je sais pas, un truc tout bête. Hein. Alors, afficher. Donc ça c'est un voilà, donc ça c'est le problème qu'on aura à résoudre. Bon, évidemment ce sera quand même un peu plus compliqué, hein. Mais là c'est pour vous donner un exemple. Donc ensuite, bon bah je vous mettrai, enfin vous pourrez mettre en pause la vidéo, essayer de trouver votre solution. Et à la fin, bah, je dirais voilà, donc je vais vous proposer ma solution. Et donc là j'essaierai de vous montrer ce que j'ai fait. Hein, donc par exemple, je dirais bon, aujourd'hui on va voir la solution en C++. Hein. Donc voilà. Bon, alors évidemment mes solutions elles sont pas parfaites, hein, tout simplement parce que je suis loin d'être programmeur professionnel. Mais c'est là aussi que c'est intéressant pour moi, c'est essayer de me proposer vous ce que vous pensez du programme et comment selon vous on pourrait l'améliorer. Hein. Et donc c'est une excellente façon de progresser. Alors évidemment comme je vais y passer un temps quand même assez minime. Il se peut que bon bah je passe à côté de certaines optimisations, mais j'essaierai de faire au mieux. Voilà, donc là on a bon, un programme basique en hein, C++ qui va nous afficher Hello World. Donc on va sauvegarder machin. Alors on va compiler. On peut avoir un terminal normalement dans Emacs. Voilà. On va vérifier que le projet est bien là. W.cpp, donc G++. Et normalement c'est bon, alors il l'a sorti en hop. Et voilà, alors voilà, donc ce sera voilà, donc là je dirais bon bah la vidéo est finie, hein, donc voilà. Alors lors de la présentation évidemment parfois je dirais voilà, donc telles recherches ont été faites, voilà, parfois je présenterai des images, vous pouvez découvrir des choses quand même plus complexes et on ira peut-être sur internet pour découvrir les problèmes. Voilà, donc en espérant que cette série vous plaira le plus possible. Et j'espère que bah, vous vous amuserez bien, parce que la programmation, bah, c'est avant tout un jeu. Donc à bientôt pour la première vidéo.